Regardez comme elle est belle, cette arena, cette Bay Arena. Elle est pleine aujourd'hui, il y a pas mal de bruit, pas mal d'ambiance. Et nous allons vous commenter ce match, moi-même, Hervé Matou et Pierre Ménès. Au programme du jour, un match amical, international, la Turquie contre le Pays de Galles. Ah, quelque chose me dit qu'on ne va pas s'ennuyer encore aujourd'hui. Ce sont les joueurs turcs qui donnent le coup d'envoi. Çelik. Peut-être une belle occasion là pour la Turquie. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Deux joueurs semblent avoir les qualités pour faire la différence dans ce match. Alors, ce sont deux joueurs qui ont évidemment une grande influence sur le jeu de leurs équipes. On risque de voir de belles choses. Burak Yılmaz. C'est contré. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Binder. Oh, c'est contré ce tir. Piqué au centre. Frappe. Oh, le but. Oh, la frappe hallucinante qui a trouvé le cadre. Imparable. Quelle puissance dans ce tir, quelle précision aussi. Avec en plus l'effet de surprise, cette frappe lointaine était vraiment dangereuse. La preuve en image. Le réalisateur qui nous remontre ce but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Aaron Ramsey. Gareth Bale. Bale qui continue. Non, ça ne donne rien. C'est joué trop fort. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Belle série de passes. Et ça peut devenir dangereux. Oui, bien fait ça. Aaron Ramsey. Davis. Le ballon change de camp. On écarte le jeu. Çalhanoğlu. Burak Yılmaz. Il est un petit peu cerné là. Roberts. C'est dévié, ce sera une touche. Aaron Ramsey. Ouais, c'est joué par-dessus. Allez, il peut s'échapper là. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Binder. Le ballon qui sort. Ce sera donc une sortie de but.
capitaine Kalanoglu. Ah, c'est bien donné ce ballon. Encore une bonne passe. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Ouais, bonne inspiration sur cette passe. Ah, là, ça peut amener un but. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Le corner, le ballon en pleine surface. Et il dégage. Il faut trouver une ouverture. Centre peut-être, allez. Et la mi-temps qui vient d'être sifflée par l'arbitre sur ce score extrêmement serré. Hein. Seconde période. Il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. Ah, tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. Première période satisfaisante pour lui. Mais il peut peser plus encore, à mon avis. Attention à cette action côté turc. Ballon perdu. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Allez, après tout, pourquoi pas. On va pouvoir centrer. Bale, centre de Gareth Bale. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Bon, Kilmaz. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Excellente intervention. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Alors, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Aaron Ramsey. Ouais, elle gagne son duel. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ils vont pouvoir jouer la touche. Roberts. Il gagne du terrain. Et si on repasse le ballon, ça fonctionne bien. Gareth Bale. Gareth Bale qui centre. Mauvais dégagement là, attention. On cherche une solution. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Bon, attention, c'est pas fini. Ah, le gardien qui récupère le ballon après une première intervention exceptionnelle. Quel arrêt! Oui, ça, on peut dire que ça rassure une défense. Porte le ballon. Caner Erkin. Kalanoglu. Tire. Bon, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Quel sang-froid hein, de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait de frapper tout en finesse. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart, hein. 2-0 au tableau d'affichage. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Un joueur a terminé son échauffement, et il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense.
L'entraîneur qui va faire un changement. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Attention à la contre-attaque. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Caner Erkin. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Elle est contrée cette frappe. La bonne transmission. Il ne reste que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Il y aura donc 1 minute de temps additionnel. Voilà, c'est terminé et c'est le résultat que le stade attendait, à savoir une victoire à la maison. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait.